Bonjour et bienvenue à la chaîne de radio 98.5. Il est maintenant 14h. Je m'appelle Samora Sacco et je suis en compagnie de Lydia Badreddine. Et notre émission aujourd'hui portera sur l'évolution de la musique du 20e siècle. Le sujet de notre petit segment aujourd'hui portera sur les différents genres de musique du 20e siècle. Nous expliquerons plus en détail l'influence de chacun d'entre eux ont eu sur la musique d'aujourd'hui. Comme nous le savons bien, la musique est une industrie qui est constamment en changement. Débutons par la musique pop. La musique pop a fait son apparition durant les années 60. Le pop est un style musical beaucoup plus doux que le rock. Ce style de musique est souvent plus associé au rock, pop-rock, ou au groupe des Beatles en Grande-Bretagne, qui sont considérés comme les représentants de ce courant musical. Le mot pop est une abréviation du mot populaire qui définit plutôt bien ce courant. On a remarqué plusieurs groupes et chanteurs qui ont fait succès dans le pop, comme Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Ray Charles, The Beach Boys et les Rolling Stones. En 1970, le power pop fait son apparition. C'est un courant musical qui regroupe des mélodies pop avec des power chords forts. De plus, les chants sont plutôt courts et la guitare électrique est beaucoup plus utilisée. Les Beatles, que l'on retrouve dans chaque décennie, The Birds et The Who sont les plus grandes influences de ce genre musical. Le technopop fait son apparition dans les années 80. Il est aussi connu sous le terme de synthpop ou électropop. Ce style de musique est reconnu pour son utilisation de synthétiseurs et des technologies. Cette musique a influencé plusieurs genres musicaux, tels que le house et le techno de Détroit, et plusieurs autres genres indirectement. Continuons maintenant avec le Britpop. Il s'est développé au Royaume-Uni dans les années 1990. Ce style de musique est caractérisé par des mélodies axées sur la guitare. Ses principales influences sont surtout le pop et le rock. Il y a beat music et mode des années 1960. Il y a glam rock, pop rock et new waves des années 1970 et click pop des années 1980. Finissons avec le mouvement pop de la fin du 20e siècle. Le mouvement pop est surtout constitué de groupes, les boys band et les girls band. Le style de musique vient toucher de plus en plus les goûts des adolescents et des préadolescents. Il y a aussi l'apparition des clips vidéo plus développés. De plus, plusieurs artistes tels que Michael Jackson, The King of Pop, et Madonna, The Queen of Pop, et Mylène Farmer étaient reconnus pour la mise en scène de leurs morceaux. On peut affirmer que l'évolution de la musique pop du 20e siècle s'inscrit dans la continuité de cette période, car c'est durant ces années que la musique a su prendre de plus en plus d'ampleur dans la société. Plusieurs artistes de nos jours s'inspirent encore des légendes passées, telles que The Beatles, Michael Jackson et surtout Madonna. Prenons l'exemple du jeune chanteur Justin Bieber, qui a tendance à beaucoup s'inspirer de Michael Jackson dans ses vidéos. Pour conclure cette émission de radio et rappeler notre hypothèse de départ, on peut affirmer que la musique pop a eu un énorme impact sur le 20e siècle puisqu'elle a affecté le comportement des adolescents. L'amélioration de la technologie au cours du 20e siècle a bouleversé son évolution. Même si à la base, la musique d'inspiration était le pop, chaque décennie se distinguait de la précédente. Et voilà, merci d'avoir été à l'écoute de notre chaîne 98.5. Nous espérons que ce sujet vous a beaucoup intéressé. On se rejoint demain, au même poste, à la même heure. Merci! Et voilà qu'on se laisse avec la chanson « Strawberry Fields » du célèbre groupe The Beatles. We'll be right back.
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. We'll be right back.